Voici les mouvements que nous allons apprendre durant ce cours. Voyons le nouveau mouvement, la fleur cachée sous la feuille. Il indique que la véritable intention d'attaque est dissimulée, ce qui fait que l'adversaire ne voit pas clairement ce que l'on veut faire. Voyons à présent ce mouvement. Préparation. L'éventail dans la main droite, on ouvre vers l'extérieur, puis on avance le pied gauche devant et on place la main gauche au-dessus de la tête en position de l'arc. On refait ce mouvement une fois. Faites-le avec moi, la fleur cachée sous la feuille. Le dragon se tourne avec indolence. Ce mouvement est nommé ainsi car il démontre une certaine paresse. Il exerce les mouvements du tronc. Suivez-le avec moi. À partir du mouvement précédent, on avance le pied droit, puis on penche le tronc vers l'arrière. Éventail dans la main droite, il décrit un cercle. On le déploie en partant de la poitrine jusqu'à l'arrière. On penche le corps en arrière. On décrit un cercle et on pivote le corps jusqu'à être de face. L'ensemble du mouvement exerce les techniques du tronc. Refaites-le avec moi. Après le pas en avant, on déploie progressivement l'éventail vers l'arrière. Puis, on tourne la taille, on pivote le pied et le corps tourne pour se retrouver de face. Faites-le avec moi, le dragon se retourne avec indolence. La pratique du kung-fu de l'éventail nécessite la coordination entre le corps, la respiration et l'esprit, ce qui est bien adapté aux seniors. Elle améliore la sensibilité du système nerveux, la souplesse, la force et l'endurance musculaire, ainsi que le système cardiovasculaire. Elle est très répandue chez les seniors qui s'exercent le matin. Le vent balaye les fleurs de prunier. Ce mouvement ressemble à des feuilles de prunier soufflées par le vent. Les postures sont gracieuses et élégantes. Bien. Suivez ce mouvement avec moi. À partir du mouvement précédent, éventail dans la main droite, on l'insère vers le bas en diagonale. Puis, on descend en position assise croisée et on place la main gauche sur le bras droit. Puis, on tourne le corps. L'éventail restant ouvert, on fait un tour à 360 degrés avec. De la gauche vers la droite, en suivant la rotation du corps. On ferme l'éventail et on balaye horizontalement vers le bas. On écarte un peu le pied pour aller en position de l'arc inversé. On refait une fois. À partir du mouvement précédent, on ouvre la main gauche en cercle qui finit sur le bras droit, puis on descend en position assise croisée. Ensuite, on tourne le corps et on fait un tour complet. Puis, on ferme l'éventail et on balaye vers le bas en position de l'arc inversé. Faites-le avec moi, le vent balaye les fleurs de prunier. Le phénix doré face au soleil. Le phénix est un oiseau légendaire de bon augure dans la mythologie chinoise. Il décrit un phénix à couleur dorée, orienté vers la lumière du soleil, donc vers la brillance. On fait ce mouvement en commençant à partir du mouvement précédent. On avance le pied gauche, puis on croise le pied droit à l'arrière en position assise croisée. Ensuite, l'éventail dans la main droite, on l'ouvre vers le haut et on place la main gauche au-dessus de la tête. On fait ce mouvement en entier. À partir du mouvement précédent, on avance,
on croise le pas et on ouvre l'éventail. La main gauche se place au-dessus de la tête et les bras sont écartés. Allez-y avec moi, le phénix doré face au soleil. Maintenant, pratiquons ensemble l'enchaînement des mouvements. Le jeu de Go, tout comme le kung-fu de l'éventail, exprime l'essence et le charme unique de la pensée traditionnelle chinoise. Le kung-fu de l'éventail recherche le calme dans le mouvement. En pratique, il s'agit du mouvement extérieur et du calme intérieur. Dans le jeu de Go, c'est l'inverse, c'est le calme extérieur et le mouvement intérieur. Le calme à son extrême se transforme en mouvement à son extrême. Maintenant, pratiquons ensemble les mouvements de ce cours. Voyons les points clés de la fleur cachée sous la feuille. Dans ce mouvement, on doit cacher l'intention d'attaque, donc on doit dissimuler et faire preuve d'agilité. Regardez. On refait une fois ce mouvement. Faites-le avec moi, la fleur cachée sous la feuille. Voici les points clés de « Le dragon se tourne avec indolence ». Dans ce mouvement, on pratique essentiellement les techniques du tronc. On tourne au niveau des épaules et de la taille, ce qui rend la rotation naturelle et exerce positivement le corps. Regardez-moi le faire. Après avoir avancé, on penche le corps en arrière, puis on tourne doucement sur 360 degrés. L'ensemble du mouvement fait pratiquer les techniques du tronc. Allez-y une fois avec moi. Après le pas, l'éventail suit en arrière et se déploie horizontalement. On tourne la taille, on pivote les pieds et on tourne le corps pour se retrouver de face. Faites-le avec moi, le dragon se retourne avec indolence. Voyons les points clés de « Le vent balaye les fleurs de prunier ». Ce mouvement exerce également les techniques du tronc. Il implique une rotation du corps naturelle, fluide et coordonnée. À partir du mouvement précédent, après l'insertion vers le bas, on doit descendre assez bas. Puis le corps tourne, entraînant les pas. On tourne à 360 degrés. On ramène, puis on balaye avec l'éventail vers le bas. On refait une fois. À partir du mouvement précédent, on ouvre la main gauche en décrivant une courbe qu'on finit au-dessus du bras droit. On descend bien en position assise croisée. Ensuite, on tourne le corps à 360 degrés, puis on ferme l'éventail et on balaye vers le bas en position de l'arc inversé. Faites-le avec moi, le vent balaye les fleurs de prunier. Thank you.
Voici les points clés de le phénix doré face au soleil. Ce mouvement exerce surtout la force des membres inférieurs et la stabilité. L'ouverture de l'éventail doit être sèche et bruyante. Maintenant, regardez-moi le faire. Après le pas de recul, on descend et on ouvre l'éventail. Faites-le avec moi, le phénix doré face au soleil. Faites l'enchaînement avec moi. Dans la littérature chinoise classique, l'éventail tient une place unique. Dans les romans et l'opéra, l'éventail est un accessoire classique qui révèle le caractère du personnage. Prenons l'exemple des quatre romans classiques. Dans l'épopée des trois royaumes, Zhuge Liang porte un éventail en plumes et un turban en soie exprimant sa sagesse. Dans le rêve du pavillon rouge, il y a un passage nommé « Ting Wen déchire l'éventail » qui montre l'innocence et la naïveté et la spontanéité de l'héroïne. L'éventail sert également d'arme dans les romans. Par exemple, dans « Pérégrination vers l'Ouest », la princesse à l'éventail de fer peut éteindre le feu avec son éventail en feuilles de palmier. Pour finir, regardez la troisième partie de la forme de Kung Fu de l'éventail du style Kaiyuan. On se retrouve au prochain cours.